Qu'est-ce qu'on fait comme crédit ? Kawabunga, allez. Ça vous va ? Ah, Kawabunga. T'es une tortue, frère, pas Kawabunga. T'es une tortue, je suis ninja. Vas-y, on est ensemble. Kawabunga. 1, 2, 3, Kawabunga. Si on est là aujourd'hui, merci d'être venu sur notre chaîne, déjà. Ça, ouais, plaisir. Jimo, Bunaimin. Deux artistes de très bien. On peut rêver mieux, mais la réalité sera pas. Allez dire la réalité. La patate chaude de ouf, on connaît tous le jeu de la patate chaude. Et bon, on l'a un petit peu remixé avec la patate chaude de ouf. Je vous écoute pour les règles. Les gars, d'accord. 5 secondes par réponse, on tire un thème, les gars. Celui qui répond pas en 5 secondes, qui donne une réponse qui a déjà été dite, ou bien qui ne donne pas de réponse tout court, il a perdu. Il saute. Il saute. D'accord. Okay. Et alors, est-ce que c'est des 5 secondes humaines ou des 5 secondes Jimo ? On s'auto-arbitre, hein, mais il y aura un seuil de tolérance pour Jimo. Merci, c'est gentil. Évidemment, tu peux bluffer. Si t'es couvert par le suivant, ça passe. Est-ce que vous êtes prêts à jouer, messieurs ? D'accord. Ouais. C'est par équipe ou c'est chacun pour, chacun pour sa gueule. Gueule. Et les morts peuvent parler. C'est-à-dire que même quand t'es éliminé, tu peux participer au débat, tu peux dire non, mais elle est pas bonne ta réponse. Okay. Ouais. Attention, hop, on va prendre un thème. Boone, tu commences derrière. Okay. Truc de canard. Truc de canard. Un bec. Mais non. Moi, bonne réponse. Mais non. Merci, le mort. Si tu fais ça, c'est que t'as un canard avec ta meuf. Ah, d'accord, ok. De donner son code de téléphone. Oh, très bon, très bon. 5, 4, 3. Il porte la valise. Donner son code de carte bleue. Oh là là. Fort. Voilà. Des fleurs tous les jours. Ouais, truc de canard. Payer tout le restaurant. Ouais. Tu m'as trompé, mais je te pardonne. Oh. Tenir la porte avant d'entrer. Ouais, truc de mec sympa, ça. Ouais, c'est galant. Alors, vous le faites, canard, ça. Ah, juste un mec galant, toi, tu fermes derrière, toi. Toi, tu ouvres la porte pour toi et tu fermes derrière. Moi, j'attends qu'elle passe, elle me tient la porte, je passe. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Comment ça, ça passe pas? Tu sautes. Attends, on n'a pas parlé de quelle porte, aussi. Ouvrir la porte de sa voiture, alors que c'est toi qui conduis. Ah oui, c'est un truc de canard Uber, mon gars, c'est encore bien, tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. 5. Prendre le deuxième sandwich et le donner. Ok, ok, ouais, ça marche. Pour Boone, ça marche. Parce que normalement, il le démontre. Si Boone, il le donne, c'est que c'est un canard. Oui, j'ai déjà mangé avec Boone, c'est fort en chocolat. Hein. ça graille. 5, 4, 3. Ne plus parler à sa famille pour elle. Ouais, truc de canard. C'est un truc de canard, t'es un tarba. T'es prêt à renier ta famille pour une meuf? T'es un canard, mon gars. Tenir la porte. Et t'es éliminé. Il a. En plus, il a dit lui-même. Tenir la porte à sa famille. Dire à sa meilleure pote, je peux plus te parler parce que meuf, elle veut plus que je te parle. Oh, ça marche. Attends, déjà, d'où t'es le meilleur pote? T'es ma meuf, toi? Qu'est-ce que t'arrives? Tiens, elle est jaloux. Se marier sans contrat de mariage. Ouais, ok. Putain, attends. Qu'est-ce que tu veux faire, sa mère? 3. C'est vrai qu'à partir de cette manche... Allez voir 52 degrés. Ouais, t'es sérieux, là? C'est un truc de canard, tu dirais pas le voir avec tes potes. Bah, tu peux le voir. Je suis allé avec un pote. Merci, Yoda. Même moi, j'y croyais pas. Merci. La porte, ok, mais 52 degrés. La laisser choisir le film au cinéma. Oh non, c'est ça, c'est un truc sympa. C'est pas un truc de canard, c'est normal. C'est comme la porte, ça. Là, vous avez pas de meuf, vous, c'est pour ça. Tu sautes. Première manche, t'as pris deux points pour Boone, un point pour Watts. On repart sur une autre manche, Boone choisit et j'enchaîne. C'est toi qui joues. Tu te concentres, bordel. Putain, mais c'est chacun pour sa peau, donc je comprends pas. Mot désignant les parties intimes. La saucisse. Le kiki. Les yucks. Les bouliches. Le capitaine. On est technique là. Sabre laser. Willy. Willy. Mais non, c'est les Américains, ils disent. Willy. Ouais, oui. Putain, j'avais un. Les coucougnettes. Le pirate. Le One Piece, ouais. Ouais, il va dire Luffy bientôt. Mais non, le pirate. Ouais, j'étais sur la mer ou quoi? L'abordage. Vas-y, les pirates, mais plus de trucs sur la mer, wesh. Ok, d'accord. Une entrejambe. Non, l'entrejambe, c'est pas un surnom. Si, c'est une partie intime, l'entrejambe. L'entrejambe. Ouais, mais c'est pas un surnom. C'est un surnom. Non, c'est pas un surnom. Moi, je le surnomme. C'est une partie. C'est un surnom de chirurgien, frère. On est d'accord, c'est la partie, c'est pas un surnom. Il a pas d'avis, lui, arrête un peu. C'est bon, je saute, vas-y, c'est pas grave. T'inquiète pas. Les morts, ils ont le droit de parler, t'inquiète. La zigounette. Ça marche. Le petit oiseau. Le Concorde. Ah oui, que des moyens de transport. 5, 4, 3, 2. Le Zboob. Ah putain, bien wesh. Cinq. Attends, ça a déjà été dit ça? Non. 4, 3,
2. Le TGV, ça a été. La batte. La batte, vous validez la batte là? Non, pas du tout. Pas du tout. Qui dit la batte? Un mec violent. Dis-moi. Bon, ok, vas-y, dis-moi. Le baobab de Bamako. Ça marche. 5, 4, ah vas-y, j'abandonne. 3. T'as ton truc! On dirait que j'ai gagné. Alors, Jimo, 2 points, et donc ça fait 3 points pour Boud. Ok, dernière manche. C'est toi, non, mais non, donne-moi c'est moi ça, qui pioche et c'est toi qui enchaîne. Bah, t'es ouf, toi, attends, ça sert à quoi de gagner alors? D'avoir des points. Mais ça sert à commencer après. Mais tellement de phrases de loser. Genre ça, c'est charmé de piocher. Genre c'est, bah, c'est le meilleur truc. Truc à ne pas dire lors d'un contrôle de police. Je suis un arabe. Genre ça me renoie et il croit que c'est mieux de dire jamais. Bah oui, le truc c'est vraiment. Ça va, 5 bières, c'est rien. Mais c'est pas moi qui conduis. Ah. Tu veux tirer une taf? Ah ouais. Un truc à pas dire. Bah je sais pas où est-ce que mon permis de conduire. Fils de pute va. Ah ouais. Ah ouais, ah, normal. Le mec dans le coffre, je le connais pas. Attends. 5. 4. 3. 2. 1. Mais mon permis, je le passerai semaine prochaine. Ça va, compte mon truc sur le permis là. Oh. Ça va, tu sautes là, mon gars. Putain. 5. Mais non, il est pas mineur. Cinq, quatre, trois, deux, un. Voilà. Voilà, tu sautes. Allez, bouge. La voix finale. 5, 4, 3. Viens, va boire un verre. Tu peux dire ça au keuf. Bah ouais. S'il est en train de travailler, c'est un peu. Un peu touchy. Ça passe, vas-y. Ça passe. Merci. Ouais, pas de soucis. 5. 4. Comment ça, on n'a pas le droit de rouler à contresens? Et qui vous dit que c'est moi qui suis à contresens? Bien, ouais, 5. 4. Bah, c'est peut-être moi. Nous, on a perdu. Non, il a perdu. Tu sautes. Mais c'est quand même vous les gars. C'est vous les finales. C'est ouais, vous la finale. Alors, messieurs, la finale, comment elle va se passer? Vous allez chacun pouvoir invoquer un joker. Vous choisissez votre buddy partner. Et quand t'es en galère, tu peux invoquer un joker. On est d'accord, les jokers, c'est vous deux, quoi. C'est nous, les jokers. Voilà. Ok. Question qu'on pose à Google. 5. 4. Sophie Favier nu. C'est pas une question. C'est un faux joker, ouais. Le mec est censé m'aider. Dis-moi. J'ai mal à la gorge, est-ce que je vais mourir? Ça marche de ouf. Qui est Bounaïmin? Ils sont tous. Tout le monde l'a fait. Qui est Jimo? Où est l'Azerbaïdjan? Ah, ça marche. Où est Jennifer Lopez? Où est Jennifer Lopez? Non. Bien sûr. Où est? Mais ouais. Personne. Genre, actuellement. Genre, il va te dire. Mais où est de où? 8 rues à Los Angeles. Une vraie question. Mais c'est là ou quoi? C'est Google, il peut le localiser. Il a fait attention à l'adresse qu'il a donnée. Il a dit 8 rues de Los Angeles. Et bah, c'est une victoire pour Boone, j'ai l'impression. Ouais, non, oui, c'est une victoire pour Boone. Si, mec. Frère. Où est Jennifer Lopez? On la pose la question. Vas-y, on la pose maintenant, on va voir ce qu'il raconte. Où est Jennifer? Ouais, on peut même Jean-Pierre Pernaut. T'es mal. Bah, voilà, ouais, c'est elle au Super Bowl. Donc ça marche. On continue. C'est une belle victoire de Bounaïmin. Bravo. Eh bien, félicitations, Boone. Alors, le petit gars, on doit chacun te dire une phrase gentille et sincère. Mais un truc qu'on pense vraiment. Faut pas que ça soit un truc. T'es le meilleur joueur à la patate chaude que j'ai jamais vu. Alors, moi, je pense que t'es l'asiatique le plus marrant. Pas du monde, hein, parce qu'il y a des noix chaussettes, ils sont lourds. Vraiment marrant. Moi, Bounaïmin, je te connais depuis 2008 et tu n'as pas changé. Ça fait plaisir. Oui, j'ai une tenue. Il parlait de ça, bien sûr. Je suis habillé comme ça depuis 2008. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez regarder le travail de ces deux personnes. Allez les voir sur scène. Ça, c'est un petit jeu. Il y en a un autre. Il y a des autres jeux. Ah oui, il y a un jeu. C'est fini. Ouais. Mais non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, attention, on va avoir le jeu plus gros. Et Jimo et Boone, ça se passe surtout sur scène. On vous met les billetteries des zigotos. Des deux zigotos, allez les voir sur scène, c'est incroyable. À très vite les amis. Bisous. Alors,
Elle t'a donné chaud, cette patate chaude? Eh ben, écris-nous ce que tu aurais mis en commentaire. Bien sûr, et puis t'oublie pas de surtout t'abonner à la chaîne. Et puis tu lâches un pouce. Et surtout, tu vas checker notre série. Des fables d'Oda et Dako. Allez! 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 Il y a le lien, là, vas-y!